Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aussi ma première vidéo, voilà, vraiment ma chaîne défi, enfin pour toujours, voilà. Du coup les potes, c'est pas le sujet de la vidéo mais quand même c'est un peu important. Alors le sujet de la vidéo, comme vous avez vu au titre à la miniature, c'est que je vais vous présenter mes affaires de foot. Parce que il y a 3-4 jours, je me suis inscrit dans un club de foot à Marseille qui s'appelle Saint-Julien. Et je vais mettre le logo de ce club juste ici. Voilà. Et je me suis inscrit dans ce club parce que j'avais eu envie de faire du foot. Voilà. Du coup, le sujet, c'est que je vais vous présenter mes affaires du foot, c'est-à-dire les crampons, les protège-tibias, les chaussettes, le bas, enfin, le short et le haut que je mets et mon sac. D'ailleurs, bon, vous allez voir en avant-première. Bah, tout le monde qui va voir la vidéo avant, bah, c'est ce sac qui est là en bleu, là derrière. Du coup, bah, je vous propose qu'on commence la vidéo. Et avant aussi, j'ai oublié, c'est pas de liker, bombarder la barre de likes, c'est très important. Et à vous abonner avec chaque cloche, ça me fera vraiment plaisir. Et dédicace à tous les gens qui vont s'abonner, surtout au premier. Du coup, je vous propose qu'on commence et c'est parti. Alors, pour commencer, nous avons des crampons. Voilà. Comme ça, il s'appelle les Adidas XFXG 19.4. Voilà, c'est très bien pour débuter le foot, les gars. Il coûte environ 30-35 euros. Voilà, alors derrière, enfin en dessous plutôt, les petits machins là. Bon, désolé si j'ai machin, je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi comment ça s'appelle, les gars. Alors, ici, là, en dessous, là où il y a ma main, c'est du plastique dur. Et au-dessus, c'est du plastique dur aussi, mais un peu en moins dur, quoi. Voilà, en forme de triangle. Je sais pas si vous voyez, mais des petits triangles. Enfin, non, c'est noir, du coup, mais il y a des triangles dessus. C'est en forme de triangle aussi. Et c'est deux par deux. Deux comme ça. Deux comme ça là. Deux comme ça. Deux comme ça. Deux comme ça. Deux comme ça et tout. Voilà. Et il y en a deux qui sont au milieu là. Voilà. Comme ça. Du coup voilà. Plutôt stylé. Et très bien pour débuter le foot. Pour pas dépenser vraiment beaucoup d'argent. Voilà. Du coup je propose qu'on commence. Qu'on commence. Je dis n'importe quoi. Qu'on passe aux chaussettes et voilà. Alors les chaussettes, voilà. Les chaussettes, alors de la marque Adidas, voilà. Vous affichez le logo de Adidas juste ici là. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça m'étonne que vous ne connaissez pas, mais en cas où. Voilà, regardez, ça se présente comme ça là. Tout en rouge, comme ça. Alors après, j'ai pris en rouge parce que, comme vous avez vu tout à l'heure avec le logo. La couleur générale de ce club, c'est en rouge et blanc. Du coup, j'ai pris rouge comme ça parce que y avait, bon, j'aurais pris rouge et blanc, mais comme il n'y a pas de, désolé, comme il n'y avait pas de, blanc aussi, ben, avec le rouge, ben, j'ai pris ça. Et en plus, il y a un peu de blanc, alors c'est super. Bon, j'aurais aimé que ça soit rouge et blanc, plus les deux, mais c'est déjà bien et voilà. Du coup, ici là. C'est ici on met les talons de pied, voilà. Et ici on met les bouts de pied, enfin les doigts de pied ici, là les bouts. Voilà des chaussettes assez classiques et voilà, pas besoin de dire trop de choses dessus. Du coup, je vous conseille qu'on passe au protège-tibia et voilà. Alors les protège-tibia, ils sont comme ça, voilà. Ils sont grave stylés. On est d'accord, ils sont grave stylés. Alors, le derrière. Le derrière, il y a plein de petits trous, là. C'est en caoutchouc. Il y a plein de petits trous, là. Voilà, comme ça, là. Il y a plein de petits trous, là. Et ce qui est bien, c'est que il y a une coque dessus, là. Et c'est en vert fluo, qui est très stylé. Et aussi, j'ai oublié de préciser. Désolé, attendez, il y a un truc. C'est des Nike Mercurial ou Mercurial. Désolé, je ne sais pas si c'est Mercurial ou Mercurial. Du coup, en tout cas, c'est sûr, c'est un des deux que j'ai dit. Ça se dit comme ça, peut-être. Voilà, c'est de la marque Nike. Je vais vous afficher le logo de Nike juste ici. Voilà. Du coup, assez stylé, ouais.
Et aussi, on voit les trous là à travers. Les trous de derrière là qui sont là. On les voit là, là. Voilà, en vert fluo qui sont plutôt chillés. Voilà. Du coup, je propose qu'on passe à l'avant-avant-dernier truc. C'est le short. Du coup, je vais vous montrer tout de suite. Alors, le short. Bon, vous savez pourquoi je l'ai pris en rouge, je vais pas vous le dire, enfin vous l'avez vu juste avant. Là. Il est pas grave stylé, mais bon, c'est les classiques. Marque Adidas, là, avec le petit logo là. Rouge, voilà, comme ça. Tout classique. Voilà, de la marque Adidas. Ouais, ça c'est mon short. Bon, on va pas besoin de dire trop de choses. C'est un short normal, en élastique là un peu. Voilà, et je propose qu'on passe à l'avant-dernier truc, c'est le haut. Alors, le haut, je vois bien. Voilà, mon haut, c'est ça, les gars. Barcelone, bon, c'est l'ancien, mais j'avais que celui-là. Alors, c'est qui derrière? Ben, là, c'est Suarez, les gars. Attends, je vais me lever. C'est Suarez, voilà, avec le petit UNICEF en bas, là. Numéro 9, bon, il est plus à Barcelone, mais je l'avais, c'était avant. Du coup, ben, je l'ai pris, voilà. Voilà, avec le petit Rakuten et le logo Barcelone, que vous affichez juste là, le logo Barcelone. Voilà. Voilà, avec le petit Beko aussi, que je vais vous montrer juste là, là. Qui est au niveau du bras, à l'avant, au niveau du deuxième bras. Du coup, voilà, un maillot, voilà, normal. C'est l'ancien.